des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. L'avant-dernière portion, Exode au chapitre 31, et là nous lisons du 1er au 5e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Urf, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Et puis enfin, je termine avec le livre des Proverbes, Proverbes de Salomon au chapitre 16. Et je lirai le seul verset 4 et même là encore, la toute première partie. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Je voudrais durant quelques minutes parler sur les thèmes l'appel ou la vocation d'une nation. L'appel ou la vocation d'une nation. Généralement, lorsqu'on parle d'appel ou de vocation, cela a affaire à l'humain et cela cache trois idées. La première, c'est un penchant irrésistible qu'un individu ressent pour une profession, pour une activité ou pour un genre de vie. Deuxième définition de l'appel ou de la vocation, c'est le destin vers lequel une personne ou un groupe de personnes, comme nous les verrons tout à l'heure, semble être porté de par leur nature, de par les choses intrinsèques que ces personnes possèdent. Et puis enfin, la troisième définition de l'appel ou de la vocation, c'est une destination d'une personne, d'un peuple ou d'un pays, souvent basée sur des aptitudes que l'on possède. Et déjà à ce niveau, je voudrais dire quelque chose d'important. C'est qu'un appel ou une vocation, je le crois, peut être attaché à un individu, mais je le crois aussi, un appel ou une vocation peut être attaché à un groupe d'individus, le cas d'un pays. En lisant, en étudiant la parole de Dieu, on arrive à certaines conclusions attachées à Dieu en rapport avec la création et ses créatures. Et parmi ces conclusions, la toute première, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de but. Est un Dieu de but. C'est-à-dire, il n'est pas un fantaisiste. Il ne fait rien pour rien. Proverbe 16, au verset 4 que nous avons lu, les confirme. Dieu a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Et le mot but qui est utilisé là, que l'on retrouve 11 fois dans la parole de Dieu, 5 fois dans l'Ancien Testament et 6 fois dans le Nouveau Testament, cache 3 idées. Le mot but. Premièrement, but veut dire intention première, mais aussi finale d'une chose. Intention première et finale. Chaque fois que Dieu fait une chose ou appelle à l'existence, il a une intention première, mais aussi définitive. Deuxièmement, le mot but ici utilisé veut dire finalité d'une chose. C'est pourquoi une chose est conçue. Et le moins grand, la lune. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour, les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et 4 choses déjà que je voudrais faire ressortir là. La première, c'est que ce Dieu qui appelle à l'existence, aucun des luminaires n'a demandé d'exister, le soleil n'a pas demandé d'exister. La lune non plus, c'est Dieu qui a pensé et qui a dit que le soleil soit, que la lumière, la lune soit aussi. Il dit qu'il y ait des luminaires. Mais deuxièmement, étonnant,
ces choses qu'il a appelées à l'existence, il leur donne une raison d'être. Lui-même les déclare qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et puis lui-même dit pour, il donne une raison d'être. J'appelle à l'existence, mais voilà le rôle que tu as à jouer pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et troisième des choses, il leur donne un emplacement. L'abbé dit, il les plaça dans l'étendue des cieux, pas sur terre. Et l'emplacement est proportionnel au rôle qu'il voulait qu'il joue. Et puis quatrièmement, Dieu sera un Dieu irresponsable s'il confie un rôle, une mission à remplir sans équiper. Il ne peut demander à la lune d'éclairer sans rendre la lune capable de produire. Alors il équipe le soleil, il équipe la lune. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des buts. Et quelques vérités que j'aimerais que nous puissions noter en rapport avec le but, l'intention première et finale, le pourquoi de l'existence des choses. Premièrement, un but est essentiel dans la vie. Un but, il est le moteur de toute une vie. C'est quand nous avons un but que nous avons une direction, une orientation pour vivre. Dans Jean chapitre 4, au verset 34, Jésus-Christ, le jour où il a revêtu la chair, a dit un jour, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. D'autres versions disent, ce qui me nourrit, ce qui me donne une certaine valeur, c'est accomplir le but pour lequel mon Dieu m'a envoyé. La version Alfred Gouin ou Parole Vivante le dit mieux. Il dit, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Deuxième vérité, avoir un but est une chose, mais les connaître et en avoir une idée claire et exacte est d'une grande importance. Avoir un but, les connaître et les connaître en détail. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3 que nous avons lu, quand Dieu tire Abraham de Charan, pays d'où il venait, il vivait dans l'idolâtrie. Il veut à partir d'Abraham mettre en place ce qui deviendra plus tard la grande nation d'Israël. Il lui dira, tu seras une source de bénédiction. Et il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham et plus tard Israël ont toujours eu cette conscience qu'ils n'étaient pas un peuple lambda. Un peuple avec une mission. André Beauclerc, un célèbre écrivain et philosophe français, né en 1898 et mort en 1985, a dit, vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Je parlerai à la manière des Cunois, je dirais, c'est vivre et puis vivez là. Au taux du jour, sans savoir où l'on va. Troisième chose, un but, il ne faut pas seulement en avoir, et même en avoir une idée claire, il faut aussi s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Le connaître, s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 10, l'apôtre Pierre encourage un groupe de personnes qui se sont converties à la foi et qui ont découvert leur vocation. Écoutez ce qu'il leur dit. Affermissez-vous dans votre vocation. Et il ajoute, en faisant cela, vous ne broncherez pas. Attachez-vous à votre vocation. Une citation anonyme, mais venue de la France, dit, le but n'est rien s'il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, le but n'est rien si on ne bouge pas pour essayer de l'atteindre, si on ne se donne pas les moyens de l'atteindre. Avoir un but, c'est bien. Un autre penseur appelé Ernest Raymond, un écrivain et philosophe français du 19e siècle, a dit, ce n'est pas le but qui est intéressant,
ce sont les moyens pour y parvenir. Avoir un but, c'est bien, mais il faut se donner les moyens pour y parvenir. Et quatrième vérité, quand Dieu confie un but, je l'ai presque dit tout à l'heure, il équipe pour cela. Il place en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions non seulement accomplir le but, mais bien l'accomplir. Exode au chapitre 31, versets 2 à 5. Moïse est en train de bâtir les tabernacles. Il arrive à un certain niveau, il s'arrête. Il ne sait plus avancer. Il atteint un seuil d'incompétence. Mais le Dieu créateur lui montre qu'il a équipé quelqu'un dans son équipe. Dieu lui dit, sache que j'ai choisi Bezalel. Une autre version dit, j'ai distingué Bezalel. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et j'aime encore la suite, je l'ai rendu capable de faire des inventions, d'exécuter toutes sortes de choses. Cinquième vérité, l'une des choses les plus tristes dans la vie, c'est avoir un but ou une vocation, le connaître, mais s'arrêter là. Soit ne rien faire, ou faire à peine. Cela me permet, avant d'aller tout à l'heure vers ma conclusion, dire un certain nombre de choses. La première, la République démocratique du Congo, en mon pays, le vôtre aussi sûrement, n'est pas un pays quelconque. N'est pas un pays lambda. C'est un pays ayant une vocation. Deuxième des choses concernant cette nation, c'est que même sans connaître Dieu, on se rend compte que c'est un pays particulier. Un pays atypique, un pays spécial, un pays hors normes, un pays à part. Il semble que nous ne décidons pas le pays où nous allons naître, mais en naissant, si je meurs et si je retourne de l'autre côté, Dieu me dit, Dalo, lingo, botama, botama, wapi, je dirais botami sangai na Congo, et je dirais comme les Kinois, RDC et loco. Un pays spécial. Plusieurs choses rendent ce pays au cœur de l'Afrique un pays particulier. J'en parlerai tout à l'heure avant de conclure. Troisième chose, ce pays, le nôtre, a un rôle spécial qu'il est appelé à jouer. Dans la sous-région d'abord, dans les continents, et je le crois aussi dans les concerts des nations dans le monde. Quatrième chose, cela n'engage que moi, c'est que l'une des causes des souffrances de la République démocratique du Congo, c'est ce que nous sommes. Nous souffrons à cause de ce que nous sommes. Ma benabiso toza Congo avec tout ce que nous avons. Avec tout ce que nous sommes. Notre cause de souffrance, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons. Que les autres non seulement n'ont pas et n'auront jamais. C'est à cause de ça que nous souffrons. C'est à cause de ça qu'on nous donne des coups partout à la longueur de journée. Mais j'aimerais dire à ceux de ma nation, à destin spécial, combat aussi spécial. Nous ne devons jamais être étonnés qu'on reçoive des coups de partout. Ce que j'aime, on nous combat depuis les indépendances, mais le Congo tient encore. Et je me redis, il tiendra encore. Parce que la main de Dieu est sur cette nation. Plus d'une fois, on a décidé de couper ces pays. Écoutez leur réflexion, le Congo est trop grand. Ils ne peuvent pas les gérer. Qui vous a dit? Vice Dieu, Dieu adjoint. C'est Dieu qui décide. S'il a décidé de nous donner ces grands pays, il sait le pourquoi. Et ce que j'aime, c'est qu'à plusieurs reprises, on a voulu les décimer, mais il y a une main invisible. Je n'ai pas encore né, je n'ai que 57 ans. À peine on accède à l'indépendance, partition. Les Katanga poussés par certains, je ne vais pas citer des noms ici pour qu'il n'y ait pas incident diplomatique. Partition parce que certains s'intéressaient
aux minières du Haut-Katanga, du Katanga, une partie du Kasaï. Mais Dieu s'est arrangé, on est redevenu un. Qui ne connaît pas l'histoire, quelqu'un venu de l'Occident est venu à Bukavu. Il s'est proclamé président. Il a voulu scinder une partie. Entre 98 jusqu'à 2003, ils ont cru presque avoir réussi. Parce que Goma était séparé de Guado. Kinshasa n'était plus accessible parce qu'il venait de Lubangi. Mais il y a la main de Dieu. La main de Dieu. Et je voudrais les déclarer comme serviteurs de Dieu. Ceux qui ont fait dans le passé, malgré tous les moyens, n'ont pas réussi. Je voudrais les déclarer. Ceux qui les feront aussi dans le futur ne réussiront pas. Parce que le Dieu créateur a la main à sa main sur nous. Cinquième chose, plusieurs nous combattent pour différentes raisons. Premièrement, ils ont vu ce que nous sommes. Deuxièmement, ils veulent nous empêcher d'être et de devenir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le maximum qu'ils peuvent faire, c'est de retarder le plan de Dieu pour cette nation. Mais ils ne pourront jamais le faire avorter. Parce que le Dieu du Congo a commencé à travailler, il ira avec nous jusqu'au bout. Certains nous combattent parce qu'ils n'ont pas ce que nous sommes, ce que nous avons plutôt. Et même, ils n'auront jamais. Sixième chose, c'est que le but, l'appel et la vocation de la République démocratique du Congo peut se voir de plusieurs manières si seulement on a les yeux ouverts. La première manière, j'aimerais citer certaines choses, mais j'aimerais y aller rapidement. Notre vocation, même si on ne dit pas haute voix, se cache derrière les côtés atypiques. Pensez-y, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions des kilomètres carrés de terres irrigables, dont il semble-t-il 1% seulement est cultivé. Deuxièmement, nous avons 52% des eaux douces de tous les continents. Nous avons 4000 cours d'eau. J'ai été dans certains pays de l'Afrique du Nord, quand il pleut un peu, c'est la joie. Nous, on a l'eau à provision et une eau de qualité. Et certains disent même la prochaine guerre, ça sera la guerre de l'eau. Et Dieu nous a donné en quantité. 60% du cobalt mondial. Je m'étonne, Dieu, toi aussi, pourquoi tu n'as pas réparti un peu? 20 là-bas, 15 là-bas. Les métals du futur. Et Dieu a décidé que ça soit au Congo. Un pasteur a dit, quand Dieu a créé le monde, il était en train de distribuer des choses. Et puis, beaucoup sont restés, ils étaient fatigués, ils sont restés au Congo. J'étais tout petit. Je ne comprenais pas quand cet homme disait que le Congo était un scandale géologique. J'étais trop jeune pour comprendre des termes savants. En grandissant, j'ai commencé à comprendre. Nous avons 122 millions de kilomètres carrés de la forêt. 122 millions d'hectares de la forêt équatoriale qui renferme l'oxygène, le bois et des bois rares d'espèces d'animaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Nzambe, pourquoi Karabiso ? Sous-sol, biso, l'eau, nous. Nous avons une diversité dans la faune et dans notre flore. Savez-vous que 53% de notre pays est constitué par la forêt? Et les forêts du Congo constituent 48% des forêts d'Afrique. Donc 48% Bisomoko. 52% Bokabola. La grande question, pourquoi tout ça? Nous avons un potentiel hydraulique inestimable qui peut aller jusqu'à 100 000 mégawatts. Il semble que Inga, surtout Inga 3, s'il est arrivé dans sa dernière phase, peut produire l'électricité pour 25% du monde. Et je lisais encore ces documents, j'ai été effrayé, j'ai manqué de mots.
Il semble qu'il y a encore 780 autres sites qui peuvent héberger des centrales hydrauliques. Tout ça au Congo. Ah, il y en a deux. République démocratique du Congo. Notre fleuve est le deuxième par son débit. Et j'ai lu ces documentaires, il semble que nous avons 800 espèces de poissons dans nos eaux. Ah, les Sambaza. espèces. Et l'on dit que dans mon pays, les poissons meurent de vieillesse. Je suis allé une fois à Mbandaka, j'ai vu un poisson qui avait presque de 3/5 de ma taille. Ça, c'est mon pays. Un pays spécial. Nous avons plus de 60% du coltan mondial. Ce minerai qui sert à quoi, vous savez. Le pétrole, on nous a caché cela. Et presque un peu partout dans ces pays. Presque un peu partout. On les grabène ici, au Congo central, dans la cuvette. Ah, le temps me manquerait de parler de l'uranium. Uranium, je ne veux pas toucher des sujets sensibles. Pas des bombes d'Hiroshima sans l'uranium du Congo. Pas d'astronautes sur la Lune sans l'uranium du Congo. Avec les merveilleuses mines de Chikolobwe. Nous avons des métaux rares. On n'en parle pas beaucoup. Les communs du peuple à la cité ne connaissent pas. Savez-vous que nous avons un métal rare qui s'appelle beryllium? Savez-vous que nous avons un autre métal rare, wolfram, d'autres appellent wolfranite, qu'on utilise dans les industries des pointes? Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné même des animaux assez particuliers. Il y a un singe qu'on ne retrouve qu'au Congo, bonobo. Il semble les singes les plus intelligents. Les rhinocéros blancs ne se trouvent qu'au Congo. L'okapi, vous chercherez partout. Vous ne trouverez pas. Vous trouverez seulement au Congo. Mais sans compter les hommes et des hommes de qualité. Je suis allé un jour en voyage aux États-Unis. J'ai découvert au moins... Depuis les commencements jusqu'ici à la fin. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que le fruit soit un fruit qui demeure. Le fruit qui ira de génération en génération. Parce que tu as dit que si nous acceptons d'aller à la montagne et de bâtir le temple pour toi, tu garderas ton alliance envers nous de génération en génération. Que tu vas secouer le ciel, tu vas secouer la mer, secouer la terre sèche et secouer les nations, pour qu'ils apportent les bénédictions, la prospérité, la richesse et la fortune dans ces pays. Et nous les croyons. Laisse que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, soit avec notre nation et avec les leaders de cette nation. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que le couple présidentiel va être acheminé à l'extérieur par le protocole d'État, je demande à l'Auguste Assemblée de bien vouloir. Ainsi, toutes les délégations seront également conduites par le protocole d'État. Awa Nassau.
oublier ses invités. Voilà, mesdames, du musée des Ibi, où vient de prendre fin ces cuites d'action de grâce qu'a assisté le président de la République, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Ces cultes pour remercier Dieu, pour dire merci à Dieu pour tout le bienfait à la, cette province du Nord Kivu, cette ville de Goma qui a connu l'éruption volcanique, mais également des problèmes de sécurité. Et Dieu a épargné cette ville de toutes ces catastrophes. Laurent ainsi que Michel, venant de suivre ces cultes un peu plus particuliers avec cette prédication du pasteur Roland Dallo, l'évangéliste Roland Dallo de l'église Philadelphie de Kinshasa. Roland Dallo qui a brossé, qui a dit, qui nous a dit pourquoi nous sommes combattus de partout. Pour lui, la seule raison, la raison pour laquelle la République démocratique du Congo est combattue de partout, c'est ce que régorge ces pays. Il est allé vers lui pour dire, pour se poser la question, pourquoi seulement nous, avec toutes les richesses que régorge la République démocratique du Congo, pour lui, c'est pour ça que nous recevons de coups de partout. Et j'ai aimé, hein, il a même dit que plusieurs fois on a essayé de diviser ces pays plusieurs années depuis 1960 à ce jour. Beaucoup ont pensé qu'il fallait diviser le Congo parce qu'il était très grand, le Congolais n'arrivait pas à le gérer, mais la main de Dieu était toujours là pour rendre ce Congo, ce pays, unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne pourra diviser le Congo, Laurent. Ah oui, Jessie Kabasele, j'ai retenu ce que pasteur Roland Dallo a dit. Un pays spécial, un pays particulier, un pays béni avec une diversité des richesses. C'est vrai, plus qu'une réalité parce que le Congo reste un pays de mystère. Le bonheur de l'Afrique partira de la République démocratique du Congo, a reconnu l'orateur du jour. C'est vrai, ce n'est pas sans raison parce que patrie, toutes les bonnes choses sont entre les mains de Congolais. Mais il a pu dire quelque chose qui a pu retenir notre attention, c'est aussi la prise de conscience des dirigeants. La prise de conscience des dirigeants de ce que nous sommes réellement, de ce que la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que jours de bénédiction reste à venir pour notre pays, la République démocratique du Congo. Beaucoup de richesses, beaucoup d'espèces de poissons, les sambaza. Pasteur Roland Dallo a même fait allusion aux sambaza du lac Kivu. Différentes espèces de poissons que régorgent les eaux du lac Kivu. Alors nous allons donner la parole à notre confrère Michel Moutabécha pour un commentaire qui soit de Michel Moutabécha. Il va dans le pasteur